Éric Zemmour annonce le limogeage d'Absat Houssi mais c'est faux pris en plein mensonge / Depuis leur altercation sur le plateau des Terriens du dimanche, le torchon brûle entre Absat Houssi et Éric Zemmour. Dimanche 16 septembre, invité des Terriens du dimanche sur C8, Éric Zemmour s'était accroché avec Absat Houssi après avoir affirmé que son prénom n'était pas assez français. Mais si le passage a fait polémique, la chroniqueuse a rapidement révélé que la scène diffusée était une version édulcorée de ce qu'elle avait vécu. Une séquence dans laquelle la compagne de Vincent Cerutti était violemment prise à partie par l'essayiste a ainsi été coupée au montage. Suite à ce qu'elle a décrit comme le moment le plus douloureux qu'elle ait eu à vivre à la télévision, Absat Houssi a affirmé qu'elle allait porter plainte contre Éric Zemmour et qu'elle songeait aussi à quitter l'émission de Thierry Ardisson. Il faut dire que l'homme en noir n'a pas vraiment apporté son soutien à sa chroniqueuse. Pire, il a lui aussi porté un coup à la chef d'entreprise en révélant qu'elle avait des difficultés financières. La polémique entre Absat Houssi et Éric Zemmour aurait-elle eu raison des relations entre Thierry Ardisson et sa chroniqueuse / La réponse serait oui selon Éric Zemmour. Alors qu'Absat Houssi et Éric Zemmour continuent de s'affronter par médias interposés depuis leur clash, l'essayiste vient de remettre de l'huile sur le feu en annonçant le limogeage de la chroniqueuse des Terriens du dimanche. Invité par Yves Calvi dans l'info du vrai mardi 18 septembre, celui qui accuse Absat Houssi de se victimiser a refusé de s'excuser avant d'enfoncer la jeune femme. « Je ne veux pas prendre de porte de sortie parce qu'il n'y a pas de porte de sortie à prendre, puisqu'en l'occurrence, c'est elle qui prend la porte de sortie puisqu'elle est virée de l'émission. » Des propos aussitôt démentis par l'intéressé sur son compte Twitter, Zemmour qui annonce que je suis viré ce soir chez Yves Calvi / Vous avez eu la production / Surprise de l'apprendre par vous. La guerre entre Absat Houssi et Éric Zemmour semble bien loin d'être terminée.